spectateurs, bonsoir, bienvenue sur Haïti TV, dans le magazine qui va informer sur tout ce qui a rapport avec sport. Nous connaissons moi-même avec Stéphane Guillaume qui est toujours pour des gauches ou ça pour. Alors je dis à Stéphane Guillaume, pas avec, encore une fois, c'est moi-même seulement pour qu'on a là, qui pourra le porter émission correctement, puis là, c'est Sport Mag. Alors je dis à nous pourra le parler de une jeune footballeuse, on a parlé de Coventina. Coventina, tout le monde connaît qui était fait un stage dans la Cour la France, plus précisément de l'équipe Lyon. Qui pour un pile monde qui c'est une meilleure joueuse qui vient dans la Coupe d'Haïti. Alors et c'est pas pour un pile monde, nous capable jouer jeudi à et Coventina c'est une monde qui nominé pour capable venir meilleure joueuse dans question contre CACAF. Alors juste avant mal font élaborer de ça, pas petit coup de pause tout petit, on va retourner tout à l'heure. Moi c'est Claude Moncousseau et moi fait cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Moi produit un pile programme. Tant que Nouvelles aventures de Languichat, Ritounel, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Jeudi, moi très fier pour annoncer que avec Roku, vous pouvez Haïti TV tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tout côté. Walmart, Target, Brandsmart. Ils vendent 29 dollars. Payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, vous avez besoin d'IT TV Box. Là-dedans, vous avez besoin de 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Vous ne pouvez pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin d'IT TV Box, qui a besoin de 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tichier, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954-449-2521. Merci. Allô, les rouges! Ouais, oui, dis. J'ai une. Allez, reviens. Une. Elle n'a pas touché. C'est ça. Et comme on te dit, avant d'aller dans la posa, nous avons parlé de Coventina, Melchidael et Dumorné. C'est vrai, non, demoiselle ça. Nous connaissons une joueuse qui est nominée pour la meilleure joueuse dans la question jouer ça qui c'est football pour zone contre Kakafla. Alors mes amis, étant pris, votez pour Coventina, votez pour Coventina pour nous. Est-ce qu'elle est capable de remporter et prendre ça? Je pense qu'il est vraiment important pour les jeunes footballeurs dans la carrière jouer ça. Alors, et nous connaissons qu'elle fait un petit passage dans la France. Qui t'a fait un stage en équipe Lyon, nous connaissons le président de la Fédération haïtienne de football qui t'a lavel et avec toute ma cola qui t'est allé avec Nana Kola Force en équipe Lyon. Lors parler de Lyon dans le football féminin, c'est une plus grosse équipe dans la question football féminin. C'est même j'étais capable de parler de Barcelone, on était capable de parler de l'équipe Real Madrid. Là. Alors, jeune Coventina qui a seulement 15 ans d'âge, qui était fait un stage avec United et l'équipe Lyon dans la Cour et la France. Nous ne connaissons pas effectivement comment ça a passé, parce que nous connaissons que Coventina a retourné dans la Coupe d'Haïti. Dans le next show que nous avons fait, nous avons élaboré un petit peu plus de ça. Nous avons fait connaître est-ce que Coventina est passé stage ou bien pas passé stage, parce que il n'a pas arrêté de retourner en Haïti. Mais d'après, on sous que je suis capable de faire confiance, qui fait connaître que. Et le président de la fédération dit que Coventina est beaucoup majeur. Nous connaissons comment FIFA très très strict sur la question. De bon jouer, on joue ou bien on joue pour qu'on gagne 18 ans ou pour qu'on soit capable de signer aucun contrat professionnel parce qu'il a essayé d'éviter le trafic human being en Europe ou du moins en Amérique du Sud, quelque soit à côté. Il y a des petits mouns pour qu'on gagne 18 ans, il est beaucoup capable de signer aucun contrat professionnel. Mais moi-même, pense que dans la question de Coventina, est-ce que pas de cap gon l'autre arrangement qui est capable de faire si seulement s'il dépasse ce stage-là ou du moins nous ne connaissons pas vrai résultat.
saison qui fait le tourner en Haïti. Mais si je pense que Lyon est vraiment intéressé tout dans la Coventina, alors ça, c'est question que je me pose tête moi. Est-ce que Lyon peut faire un arrangement avec la Fédération haïtienne de football? Est-ce que Lyon peut faire un arrangement avec et parents Coventina? Ils sont capables de faire parents Coventina entrer dans la Cour de la France, ils sont capables de faire BBRGO, ils sont capables de faire Coventina toujours. Et à l'entraîner avec l'équipe Lyon. Hein? Et ensuite, il vit avec parole dans la Cour de la France. Moi-même, je pense qu'il est plus bon pour jeunes footballeurs. Parce que moi-même, je pense que psychologiquement, c'est bon bagage qui parle bon pour Coventina pour retourner encore en range là pour l'entraîner. Parce que là, et demoiselle Laguette arrive à haut niveau ça. Et puis, je dis pour retourner en Haïti pour l'entraîner encore en range là. Moi-même, je pense que ça est capable de faire un effet psychologique sur lui-même. Moi-même, fédération et président de fédération, son équipe est vraiment intelligent. N'a pas eu le docteur Yves Jean-Bart. Moi, je pense que le décapage de l'ordre d'arrangement pour Coventina pour le retirer en Haïti pour le mettre dans structure qui est beaucoup et plus élaboré que ça n'est dans le range de Bouquet pour le décapage plus compétitif. Si on utilise l'expression ça pour s'il a pour le retourner dans Lyon pour le décapage de tourner avec tout football dans le pour le décapage de tourner avec un autre rythme de jeu parce que les jeunes ça qui dans la cour et la France et comme j'aime te dire, c'est une meilleure. Et l'école football dans ce qui a trait de jouer ça qui c'est football femme, moi je pense que Coventina il était capable et cherchant l'autre et vitrine pour lui l'autre côté pour lui pour être capable mettre pour capable qu'il ait rythme de jeu ça pour capable qu'il ait skill ça pour capable qu'il ait et question et aspect physique là pour lui-même pour être capable et pas perdu opportunité ça dans la coulion parce que moi-même je me rappelle l'homme d'apprendre en Argentine par exemple ça sous tête moi l'homme d'apprendre en Argentine et il bout de 18 ans mais il a été signé il a été fait parent signé un papier pour moi et papa dans la Cour d'Haïti pour te et bail à Jamnan en comprenant que à Jamnan capable signer tout un série de papiers pour me autoriser à Jamnan capable et représenter papa dans la Cour d'Argentine qui fait équipe Boca Junior t'a accepté moi t'ai été dans pension yo pas de contrat professionnel mais t'ai comme mon biatique chaque mois yo t'ai payé l'école pour moi yo t'ai comme manger au bambou yo bam des contrat avec Adidas qui t'ai font série de bagages pour moi et en ce qui a trait de rad tennis valise souliers tout bagages ça yo et pas de question l'argent la donne. Moi, je ne sais pas si c'est ma paye 2099. Je ne sais pas si c'est FIFA avec l'OASA. Je ne sais pas si c'est comment ça va. Moi, je ça fait. Et ma PC est cherché pour nous semaine qui vient. Non, l'autre rendez-vous sport. Je fait nous connaître plus de questions Coventina. Comment ça est pour que ça va arrêter, pour que ça retourne en Haïti. Moi, je suis très pessimiste en ce qui a trait de faire le retourner en Haïti. Parce que je me souviens que deux jeunes joueurs qui étaient en France dans Nantes. Et il m'a fait histoire de jouer ça. Qui c'était James Cecil Dichenko. Et puis Giliano Philippe qui c'est Gonaïve qui t'a l'équipe maintenant qui était passé stage mais pour une raison pour l'autre te tourner à jouer un match amical pour la section SN de football en Haïti et il pas connait ça qui passé après match là pour négo retourner en France il pas retourner en France et puis et next oh il était là en Haïti yo perdu opportunité ça moi pas t'avler pour Coventina perdu opportunité ça pas connait qui ça gagné derrière et de Staiza, est-ce qu'il passe Staiza, est-ce qu'il pas passe Staiza, mais d'après verdict du président de la fédération bay, c'est parce que Coventina pour 18 ans qui fait équipe Lyon pas signé, même parce que bon l'autre arrangement qui est capable fait pour jeunes joueurs ça qui c'est Coventina qui sont talent pur, qui sont bagarre enragé. Alors même qui pas contre Coventina, bon invite ouais un petit highlight de jeunes footballeurs que moi m'a parlé à qui c'est Coventina Melchi Daël du Monde pour les intimes, on regarde petit extrait ça de jeunes footballeurs qui était à la force en équipe et Lyon qui était à son stage. Voilà, alors ça c'était et Coventina et on t'a parlé de l'IA. Alors on va prendre un coup de pause tout petit, l'homme tourné, on va parler de Lakers Miami Heat, gon bagage qui fait dans match basket ça pour moi-même son bagage que nous-mêmes haïtiens en général t'a supposé prendre et ça comme exemple. M'a tourné tout à l'heure. Moi c'est Sonny Nodé, n'importe côté mi Haïti en aide Miami, on toujours branché Sport Mag avec Stéphane Guillaume ou Dilomera. Turn up the bass.
selfish. And then thought he got fouled on this one for a four-point play, but he'll take the triple and like it. Just under 4 minutes to play. Lakers lead it by five. Dwayne Wade, reverse layup is good. But again, one of the great three-point shooters in the league this year. Dwayne Wade, Richardson, there he is for three. That's only Richardson's eighth point of the contest. And for Richardson, his second three-pointer. Cutting, Kuzma underneath, score it! Giving any room outside the line. Winslow, a career night. Under the He traveled. Eager lead is two. LeBron sizing him up. LeBron all the way. LeBron hangs. He'll shoot free throws, but challenging that shot, and LeBron just overpowers him and shoots it up with the left. Gets fouled. Now, like you said, time to make free throws. Hit by Adebayo. Bam's gonna get it back. Bounce. Dwayne Wade in chase mode. This is a tough shot. And it's going to be chased down by Chandler. Wade on LeBron and the crowd on its feet. One-point game, under a minute. LeBron picked by Chandler. LeBron, fall back. Rebound, Josh Hart knocked out. It's going to be Miami's basketball. Winslow going one on three. Wade for the lead. Derrick Jones, no, they battle. LeBron's got it. Ahead for Zoe. We got a whistle. If you're supposed to, you take a timeout after the first one. Perfect. Two in a row? Yep. So obviously they're going to run him off the line. Here is the bounce. They're looking for the quick two blocked by Zoe. So we'll set it up again for you. It's a three-point Laker lead. Well, nice job by Zoe of coming from behind to make the block. Yeah, nice. Right there. As they were looking for the quick two with Magruder. Now, no fouls to... Here's Richardson. They're looking for the three. It's out on top. Lakers, good defense. They're looking for the three. They got time, though. They got 12 seconds. It's LeBron on Wade. Wade bottled up. Wade to tie the game. It's not close. Magruder on its way. Winslow. Lakers are going to win it. And they do. LeBron and Wade hugging each other in the corner. They were matched up with each other in the final seconds. Two great champions. One last dance. Voilà, et avant, et m'dal nan pouza, m'dal parle de Drew Mornay et Coventina, jeune athlète ça, jeune footballeuse qui t'a dans Lyon, jeune jeudi a qui nominé pour ta meilleure joueuse dans zone CONCACAF là, dans zone Caraïbes là, en ce qui a trait de football femme. Quand même, c'est une bonne nouvelle pour le foot haïtien, son bonne nouvelle quand même pour football féminine dans la Coupe d'Haïti. Nous voyons que talent ou là, nous voyons que athlète nous là, c'est pour investir, c'est pour le secteur privé à venir, venez investir dans le football en général, et pas dans le football féminin, venez investir dans le sport en général, pour nous voir comment capable gagner plus jeune, comment capable gagner plus athlète qui capable émerger en Europe, qui capable et fait exploit ça, qui capable sous scène internationale, où Jean Journée jeudi à Drew Mornay qui c'est Eco Ventina pour les intimes qui dans scène internationale là qui pral goumer pour capable vinn meilleure joueuse dans zone et Caraïbes là en ce qui a trait le football féminin là seulement 15 ans d'âge li gagné. Moi je pense que son petit petit qui grand pile avenir, on prie pour lui, on vote pour lui mes amis pour nous essayer de capable remporter prime ça en ce qui a trait de football féminin là comme meilleure joueuse de la Caraïbe, Coventina. Alors, n'a quitté Coventina, nous pral entrer dans Lakers, c'est pour j'aime dire avant d'aller dans posa, Lakers et Miami Heat qui t'est joué un match qui finit 108 à 105 mais ça qui t'intéresse dans match c'était et interview ça yo t'ai fait avec monsieur qui est le bon et puis Dwyane et tous les deux nex ça nous connaît et belle et mariage nex ça t'est fan dans Miami Heat le bon t'est quitté équipe Cleveland dans pour aller pour venir dans Miami Heat Jean et Dwyane lui-même qui était censé et figure emblématique franchise qui c'est franchise Miami là nous capable le bon vini avec en pile humilité monsieur qui relé Dwyane là font step back li remettre le bon James équipe là pour le bon te cap vinn faire ça le fait avec Miami là côté le bon t'a pral remporter premier bagli dans toute carrière basket et basketball li côté il t'a pral remporter premier bagli avec équipe Miami Heat là alors moi même je pense que exemple ça c'est exemple
qui bon pour nous-mêmes haïtiens pour nous garder bay ça pour nous apprendre de yo pour nous suspendre voyer monter sur une clotte même l'on capable dans même bagarre avec nèg l'on capable toujours et honorer l'on capable toujours bal valeur l'on capable toujours faire comprendre mais qui moun nié parce que normalement nous connaît que nous-mêmes haïtiens nous pas aimé et ba moun et gloire yo nous pas aimé et ba moun ça au mérité et surtout le nèg a fait même bagarre avou ou toujours gain tendance détruire toujours gain tendance parler mal de lui-même. Et pendant ce temps même le nèg a bien passé pour ta dire à mon cher ou pour téléphone ou relle dit mon cher tel mon cher nous on fait un bon travail mais continue sur lancer ça continue sur travail faire nous pas veut faire ça alors bah qui te fait un plaisir dans match le match a fini malgré ma ami perdu nous ouais Jean LeBron James a embrassé D Wade nous on a pris c'était plaisir c'était une ambiance totale capitale dans Staples là moi je pense que nous besoin et ouais Jean de bagarre ça nous besoin apprendre de eux même parce que ça c'est bien pour le sport en général harmonisation ça fraternité ça love ça yon tabay avec l'autre n'a pas le LeBron James avec D Wade alors n'a quitté et les Lakers. Nous allons entrer directement dans la question Ballon d'Or. Semaine dernière, nous avons défendu de tout petit, mais je ne veux pas dire que j'ai élaboré beaucoup plus de lui-même parce que nous connaissons que grand pile monde qui pas connaît comment la question Ballon d'Or a été passée. Nous connaissons qui monde qui remporte Ballon d'Or, c'est Lucas Modric. Mais sous cette nom, tu as gagné et trois joueurs. Tu as gagné Lucas Modric, tu as gagné le jeune Kylian Mbappé et ensuite tu as gagné M. Saha, que tu as relé El Cristiano Ronaldo. Alors pour un pile monde qui pas et talent joueur Saha, qui pas ouais et qui ça joue ça représenter dans mode footballistique là pour qui ça c'est eux-mêmes pour qui ça pas gagner et Neymar la donne pour qui ça pas Antoine Griezmann pour qui ça pas Varane pour qui ça pas Sergio Ramos pour qui ça pas une série de l'autre footballeur alors bon invitez nous à ouais grain par grain talent joueur ça m'a pral entrer premièrement avec le jeune Kylian Mbappé skill monsieur ça capacité technique li et gabarit physique li engagement pour qui ça c'est pas Kylian Mbappé en garder avec ou pour analyser la veine de talent jeune ça qui c'est le prodige français Kylian Mbappé en garder le boulot.
the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So we'll be right back.
lui c'est Wilva, le jeune Kylian Mbappé qui accélère, qui a déposé deux cadets, qui va griller la Silva. Quelle accélération de Kylian Mbappé. Toujours Lillois, mal donné, très mal donné. Et c'est la balle de troisième but pour Mbappé. Il est lancé Kylian Mbappé. Mbappé va marquer, Paris s'impose 3-1. Énorme, énorme. C'est ça, et nous sautons et Kylian qui s'est en bagage enragé. Nous avons monsieur dans la dernière phase et finale Coupe du Monde qui s'est fait là. Nous voyons comment Kylian a joué un autre modèle football. Nous voyons comment Kylian a pris Argentin pour un autre bagage. Alors moi, je pense que Kylian, quand même, était capable de ballon d'or. Je pense qu'il était capable de mériter le temps que Jean a pu le mériter. Alors, nous quittons Kylian, nous prenons entrer dans Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, nous connaissons qui ça a représenté. Ancien joueur équipe Real Madrid, là, nous connaissons ça qui était Real Madrid, qui traversait en Italien de l'équipe Juventus de Turin, qui continue sous même ça a fait en équipe Real Madrid, là, qui a fait même bagala dans la Coupe italienne de l'équipe Juventus de Turin, qui sont joueurs qui ont un abattage enragé, qui ont esprit d'équipe, on ne peut plus, qui sont aigles sur le terrain, où effectivement, rage de vaincre Cristiano Ronaldo, où qui Jean Cristiano Ronaldo a essayé de contaminer le footballeur, où que son lot Juventus de Turin, effectivement, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo dans la cour Juventus de Turin, qui était sous scène dans tout pour être capable de remporter un sixième ballon d'or. Mais nous voyons que Cristiano Ronaldo n'a pas remporté le sixième ballon d'or là. On a regardé, est-ce que c'était manque de skill? Est-ce que Cristiano Ronaldo a démarqué, fait bagarre pendant la saison, qui fait le pas remporter? Alors, on va inviter à regarder skill, monsieur Zaha, et capacité technique de monsieur Saoule El Cristiano Ronaldo, le portugais, qui a joué en dans équipe Juventus de Turin, Anessa. On regarde pour nous voir qui ça Cristiano Ronaldo a fait. Build up again from Di Rosario. Cristiano Ronaldo. Oh, there's a little bit of a show. He got it back. Looking to see Cristiano Ronaldo, the one-on-one situation where he's doing the dance, a little bit of a showman. Marvell wins, saying, wow. And now to Ronaldo, he's struggling to reach that. And a little trick. My word, he does look quite impressive. As well won by Andre Gomes before Ronaldo takes over. It might just open up for Portugal here. Still Ronaldo, is he no mood to give this one up? Khedira for the flip over the top. Piqué, oh, he's lost the ball. Big chance for a second here. Cristiano Ronaldo takes his time, still got time, oh, 2-0. This is great skill. Flicks it with the back of his heel over the top of Gerard Piqué. What a fantastic piece of skill from Ronaldo. Steadies himself up and then bang, off the foot of the goalkeeper, Victor Valdez, and into the back of the net. In Saudi Arabia, certainly in the United side, everyone, look at, he's turning on the tricks, Cristiano. That's what they're here for, really, to see that sort of thing. It's quite amazing to see the number of Ronaldo shirts in Riyadh. Well, it's just amazing to see the reception he got there when he got the ball. I wonder how many stepovers we'll see tonight. We see plenty anyway, but in an exhibition game, well. Ronaldo. Oh, какой Ronaldo, красавец! Кака! Любо дорого смотреть на такие эпизоды. Jose Basingua is in behind Argentina here. Excellent ball in. Taken off the toe of Ronaldo, but he's there again. Ronaldo! And it's over. Well, he was twisting, turning, almost sending Bilia out of the ground. But couldn't hit the target. Basingua in behind the left side of that Argentina defence. Roncaglia did enough to hold Ronaldo up. But he's still got his shot away. Thank you.
Juan Mario du Sporting qui a trouvé Ronaldo. Ronaldo poursuivi par Denayer. C'est un bon test pour Denayer aussi, évidemment, aujourd'hui. Ronaldo et Denayer. 20 ans Denayer, ah, c'est joli. Et le tir, le premier tir bien repoussé. Alors que le réalisateur nous remonte le geste de Ronaldo qui a permis à Juan Mario de frapper. Courtois repousse. Et puis une deuxième frappe. Repoussé à nouveau. Ouais, ouais, il fait ça toujours joliment entre les jambes donc de Denayer. Nicht verhindern. Da wissen Sie schon, um wen es sich handelt, wenn Sie hier die Füße, die Beine sehen. Natürlich die Nummer 9, Cristiano Ronaldo. Having elapsed, Faiso with a clearing header only as far as Di Maria. Oh yes! What a goal from Ronaldo! 50 goals up again for Cristiano Ronaldo. How many times does he go to the well and pull Real Madrid out of trouble? Ronaldo. Just Rooney ahead of him, blocked by Ayala, who then thought about taking out Ronaldo. And now he is brought down. Centre-back's claws. If you don't get him, I'll get him. Don't worry about that. Well, especially when you see that in front of you. Yeah, there you are, you're having that. Good night. Avec des Chilio. Ouf. Ouais, la faute. Oh, il est chaud. Oui. Obligé de jouer avec les bras. Ouais, Luke Shaw ouais. Ce soir. Ronaldo intenta encarar. Ahí tiene por delante Real Madrid. 1-2. Se va Cristiano Lel. El Bernabéu ha caído. Penalti. Bicicleta, tac, tac. Con la misma con la derecha. Y. Es penalti. Sí, es penalti porque lo golpea. Su balón no llega. Bueno, y él lo quiere tirar. Él arrastra, ¿eh? Él arrastra la sí, pierna claro, también, pero él penalti. Lo provoca. Es penalti. Se hace toda la jugada. Cristiano Ronaldo, great feat. Cristiano Ronaldo, that is stunning. Absolutely stunning. Onside, and he's looking to come inside. Couple of step overs, and he goes past 1-2, and then past a third defender before he unleashes a tremendous left foot shot. What a boost to his confidence if he wins on his Clásico debut. Here's Ronaldo though for Real Madrid, away by Mascherano. Prova a ripartire Zurutuza, non la sta vedendo mai la Real Sociedad la palla. Ronaldo con la schiena, con il numero. Attenzione a Ronaldo che era però in fuorigioco. Si è girato per saltare l'avversario. Here's Ronaldo's first touch. Second one wasn't bad either. There's his third looking for Van Nistelrooy. Park came in. And Jason Park scores his first Manchester United goal. Bravo, et nous voyons Cristiano Ronaldo, il n'y a pas sorti de là, l'on dit Cristiano Ronaldo, ou disons monsieur qu'on fait goal, ou disons monsieur qu'on vitesse enragée, ou disons monsieur qu'on capacité le land dans carrière, qui gon mouvement, et qui gon mouvement aller, et puis pour le tourner, pour le perdre du défenseur qu'on fait goal, on ne peut plus. Moi, je pense que Cristiano Ronaldo est capable de remporter un sixième ballon d'or. Est-ce que, et la grande question, est-ce que c'est parce que Cristiano Ronaldo quitte l'équipe juvénile et quitte l'équipe Real Madrid la Calle de Juventus de Turin qui fait il n'y parvient pas faire assez de poids en dedans et question Ballon d'Or qui veut le remporter. Puis mon cap pose question ça, moi je pense que Cristiano Ronaldo s'il était dans l'équipe et Real Madrid là, il était capable de gagner plus chance pour être capable remporter
et un sixième ballon d'or. Mais nous connaissons que Fanatique Barcelone, Fanatique Lionel Andrés Messi, bien content tout. Et par Cristiano Ronaldo qui prend ballon d'or ça, pour Cristiano Ronaldo pas passer, monsieur que Aurélie Lionel Andrés Messi a. Nous connaissons que rivalité qui est entre deux messieurs ça. On a parlé de Cristiano Ronaldo et ensuite Lionel Andrés Messi. Cristiano Ronaldo qui pas remporté, c'est monsieur que le Lucas Modric a. Mais moi, je pense que c'est pas parce que Cristiano Ronaldo n'a pas fait bagaille pendant la saison 1. Moi, je pense que c'est capable de Cristiano Ronaldo. Mais c'est entraîneur, c'est capitaine qui votait pour monsieur ça qui relait Cristiano Ronaldo même parce que en plus monde a voté pour lui puis faut mieux voter pour Lucas Modric. Alors là parle de Lucas Modric qui sont croates, nous connaît qui était capitaine la section croate de football pendant Coupe du monde là qui font belle Coupe du monde avec la section croate de football qui arrivait en finale devant la section française de football dans du 3-1 mais nous connaît parcours équipe et Croatie dans Coupe du monde ça avec comme capitaine Lucas Modric qui était une belle génération qui était gagné Lucas Modric qui était gagné Perisic Chadon qui était gagné Rakitic Chadon qui était gagné Mandzukic une belle équipe une équipe on ne peut plus moi je pense que qui était une belle figure dans question Coupe du monde ça qui pas remporté le vent la France qui perd du 3-1 mais nous connaît qui ça Lucas Modric était représenté en dans équipe ça qui poids Lucas Modric était gagné en dans la section croate de football qui était mené dans finale est-ce que c'est ça que t'as pas Lucas Modric possibilité pour gagner ballon d'or là moi je pense que oui parce que arriver non facile à coupe du monde c'est pas bagarre qui est aussi facile c'est un coupe du monde qui est très compétitif sur un coupe du monde qui est pas une grosse équipe la donne là prend l'Espagne là prend le Brésil là prend la section belge de football là prend la France là prend et la Russie qui était pays organisateur là et qui est un coupe du monde qui était bien équipé mais moi je pense que arriver non facile à coupe du monde ça c'est pas bagarre qui est aussi facile mais n'a dit bravo avec Croatie n'a dit bravo toi avec Lucas Modric qui c'était une pièce fondamentale en de équipe ça qui était arrivé en finale mais c'est malheureusement il doit avoir perdu finale là 3-1 devant la section française de football devant le jeune Kylian Mbappé tout qui était fait en finale de 0 faute qui était fait goal dans la finale ça mais qui pas arrivé et remporter ballon d'or c'est Lucas Modric qui remporte. Alors bon m'inviter à regarder un petit bagaille un petit extrait de monde qui gagne ballon d'or là n'a parlé de Lucas Modric qui s'est joué actuel football club Real Madrid dans la coupe d'Espagne en regarde un petit extrait de monsieur ça. Thank you.
Voilà, alors ça c'était et Lucas El Modric qui remportait Ballon d'Or. Ça, bel footballeur, un joueur qui a joué milieu défensif en dedans. Équipe et Real Madrid là, fond que Real Madrid qui joue avec deux demi défensifs, qui jouait avec et Lucas Modric et puis qui joue avec Toni Kroos et puis au gagné Casemiro derrière qui a fait job sale là tant que Jean-Pierre Moun me dit qui bail monsieur ça libération ça, il est capable aller tout en pile mais il a gagné en capacité physique tout pour retourner le Real Madrid pas gagne ballon pour venir aider Real Madrid et récupérer ballon pour venir aider Casemiro dans mi-temps en tout faire récupération de balle là le Real Madrid pas gagne mais aussitôt Real Madrid gagne ballon de nexa yo libéré yo pour capable bailler Real Madrid tiki taka pour capable faire Real Madrid jouer football chartoyan football léché que nous-mêmes nous remet garder ya qui t'a pral bailler Lucas Modric et visibilité ça qui t'a pral bailler Lucas Modric et liberté ça super utiliser expression ça pour capable et montrer talent pour capable montrer et capacité technique li pour capable faire le Real jouer football nou Real la Bruya li même avec Toni Kroos que le Toni Kroos que le monsieur que Lucas Modric qui joue court et Toni Kroos lui même qui joue long. Alors c'est différence qui gagne entre deux nèg sao mais grand pile yeux qui toujours braqué sur Lucas Modric parce que son nèg coucou Jean Issa Remedi son joueur pied douce son nèg qui gon au niveau technique super utilisé pour ça qui ont déjà pied élevé que monsieur que Aurélie et Toni Kroos là moi même parce que Lucas Modric qui fait Real Madrid bien en pile qui aide Real Madrid en pile dans Ligue des Champions Real Madrid gagne yo et ensuite qui t'apprend aider équipe li qui c'est la section croate de football qui vient en face dans la Coupe du monde c'est ça qui permet que monsieur ça li gagne premier ballon d'or dans carrière footballistique li n'a parlé de Lucas Modric qui bien mérité parce que moi pense que Cristiano Ronaldo qui prendre Mbappé qui prendre n'importe qui qui prendre c'est Lucas Modric qui prend on applaudit Lucas Modric bravo pour le foot bien que grand pile fanatique Real Madrid grand pile fanatique Cristiano Ronaldo qui pas content parce que il dit que Cristiano Ronaldo fait plus bagaille si Cristiano Ronaldo était en équipe Real Madrid là nous pense que il t'a pas remporter un 6e ballon d'or mais pour fanatique le rend spécial bien content parce que nous connaît rivalité entre le monsieur Sao qui fait que Chris là pas remporté 6e ballon d'or en pile fanatique et Barcelone content en pile monde qui paraît mais Cristiano Ronaldo tout content parce que il va être content pour Cristiano gagner un 6e ballon d'or il préféré et Lucas Modric sous Cristiano Ronaldo. Alors juste avant de nous fermer choix journée jeudi nous allons prendre un petit coup de pause tout petit n'a pas retourner tout à l'heure c'est ça me dégain pour vous n'a pas tourner tout à l'heure. We help you along the way. Let's work to find a deal. Un grand moment, à peu près comme ce soir, je pense que ça va être aussi très très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent jusqu'au... C'est ça, nous de retour pour nous capables de faire mes choix et assoya. Tant que j'en dédile, nous pas gagner Stéphane Guillaume Aven. Et je dis, c'est la Noël, nous connaissons que c'est fête, c'est plaisir, c'est ambiance. Alors, ou même, prends plaisir, mais prends plaisir avec un pile précaution, prends plaisir avec et un pile précaution sous boue par conduit. Alors, qui t'aime profiter le temps pour me saluer, ancien producteur Chosa, qui t'a fêté fête li, n'a parlé de Guy Eli. Guy Eli, n'a dit Happy Birthday to you, nous t'es et besoin de faire ça publiquement, je dis, qui c'est et directeur programmation télévision, ça je dis, n'a parlé de Guy Eli, qui t'es connu pour du Sport Mag, mais qui pas dans le studio. Nous sommes en pile en mime, on monsieur qui apprennent nous en pile de métissage, on monsieur qui l'homme fait que vient dans la télévision,
et me pense monsieur des gros problèmes avec parce que de temps en temps monsieur campé chaud monsieur dit mon cher et ça me donne mon fait et nous connais nous jeunes nous connais fâché mais nous ouais que c'est pour bien monsieur ça t'es qu'on parler n'a pas eu de Guéli Guéli nous aimons en pile merci pour tout conseil ou n'a pas de fête fête ou enjoy ou et sous bois Guéli pas conduit et pas fait en pile excès nous aimons en pile Guéli n'a pas de encore une fois happy birthday to you man. Et thank you so much for everything, Guy Eli, qui c'est un monsieur qui passait de présentation dans métier ça, qui gagne en pile, t'as qui gon bel show tout sous télévision ça, qui c'est Simba abusé, Little Haiti Magazine, t'as pris mes amis, supporter monsieur ça, remet chou ça, gade chou ça, il toujours posté sur Facebook, il toujours posté et sur YouTube, al sur YouTube channel monsieur, al et check Little Magazine, un bel show, mais qui pas aussi belle que Spot Mag, monsieur Guy Eli. Alors, et c'est là m'a quitté tout le monde. Et merci en pile, merci mes amis, merci. M'a quitté nous avec belle petite vidéo ça, de belles jouettes ça, qui c'est football nous aimer en pile là. M'a quitté avec belle petite vidéo ça, parce que c'est la Noël, enjoy nous avec jouettes ça que nous aimer en pile là. Encore une fois, non pas m'a quitté vous dire, mais je dis à m'a gagné Steph Guillaume avec, mais moi promets nous, semaine qui vini, Steph Guillaume à plat avec pour nous et présenter un guest. Ou bien pour nous venir parler de football que nous aimons en pile, pour nous parler de sport en général. Bye bye tout le monde, enjoy cette vidéo, de belles skills, de belles dribbles, de belles goals que jouent ça gagne, qui c'est football ici aux États-Unis, le soccer que nous aimons en pile. Bye bye tout le monde, moi, nos bisous, thank you so much. Avec album dans le mondial, yo gagne gen trois fois. Ou n'a son seul bagay n'a pom, son micro d'or. Pas gen dit plus palmarès parce qu'elle toujours devant. Ça me met un jet qui femme dans mon game bon avant. Isolant en point d'attaque là, la soirée mousse. Depuis si campé derrière, la pompe mousse. Flèche 1, flèche 2.